Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message. Vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, bonjour. Nous allons étudier les Romains 5:5, d'accord ? Et cette année, c'est l'année des Romains. Hein ? Et il est écrit ici, « Or l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Hein, » voyez. Donc l'espérance que nous sommes de Dieu, que Jésus viendra nous chercher, que nous serons sauvés. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne rend pas honteux, hein, elle apporte une certitude. Elle nous apporte la foi qui nous donne la force, alors pour dire « Je suis de Jésus et je n'y renonce pas. » Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint. Et donc l'amour, hein, voyez, l'amour de Dieu qui est dans notre cœur est la preuve que nous sommes alors de Dieu. Car si nous ne l'étions pas, alors il ne serait pas là. Parce que la chair ne peut pas recevoir, au contraire, de la personne qui vit dans l'esprit, hein, qui est passée par la nouvelle naissance. Et il est dit ainsi par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ah, mes frères, c'est à nous. Hein, jamais l'Esprit Saint alors ne va nous l'ôter, parce que les dons de Dieu sont irrévocables. Regardons cette personne qui a été bénie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ma jambe. C'était de l'ostéoporose, j'ai vu le médecin, il a fait une radio et il voulait m'opérer. Je ne veux pas. Et je n'y vais pas. Et maintenant? Je vais bien. Il suffit d'avoir confiance et vous rentrez à la maison au nom de Jésus. Amen. Hein? Merci. Que Dieu vous bénisse. À présent, je veux prier avec vous. Père, je prie pour toutes ces vies à présent. J'étends ma main pour que le Seigneur les touche, pour que le Seigneur les guérisse, les libère, les transforme, qu'il fasse alors d'elles de véritables nouvelles créatures. Et au nom de Jésus, soyez tous bénis. À tout le mal qui est dans votre vie, j'ordonne qu'il sorte de là, au nom de Jésus. Amen.